Young Lo Lee is doing much better today thanks to the treatment he received through the Strengthening Maternal and Child Nutrition Security in West Africa program, implemented by Action Against Hunger and its partners and financed by the French Development Agency. À travers cette convention de programme financée par l'Agence française de développement, Action contre la faim a pu mettre en œuvre une politique de sécurité nutritionnelle dans trois pays de l'Afrique de l'Ouest, donc le Niger, le Burkina Faso et la Sierra Leone. Dans huit autres pays de la sous-région, ACF a pu développer des activités transversales de plaidoyer. ACF supports the Ministry of Health and Sanitation in Sierra Leone fight against undernutrition. ACF interventions are linked at capacity building the health staff and the health structures in detection and treatment of severe acute malnutrition. The inpatient therapeutic program in Pama, Burkina Faso, admits children suffering from severe acute malnutrition and their mothers. Thanks to funding from AFD, medicine, treatment and food are all free. In 3 years, visits to the center have multiplied by 5. Action Against Hunger works with numerous partners such as the NGO Tintwa in Burkina Faso. Tintwa organizes meetings on how to prepare a healthy porridge using local products for the women of Tindagou. On a pu travailler avec les services étatiques, on a pu travailler avec les communautés. Donc à la fois sur la question de l'accès aux soins, la guérison des enfants, et la construction de la capacité du système de santé à assurer cette survie de l'enfant au sein du système de santé. Weakened by diarrhea, Lopo and Nafisa's two children have successively spent several weeks in the center in Pama to regain their strength. The blood body, the bad boy, Kiba, the name, the good better Mohalanya, the young big game at him back, Bankaladi, the dear Paramorakwa. L'approche sécurité nutritionnelle, on s'intéresse du coup à la prévention de la malnutrition, que ce soit au niveau des changements de comportement alimentaire, pratiques de soins, hygiène, ou au niveau des déterminants de la malnutrition. Via le programme AFD, ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir essayer petit à petit d'intégrer beaucoup plus nos interventions par rapport aux politiques nationales du pays. Nous avons effectivement associé ACF dans l'élaboration de ce plan communal de développement. La nutrition qu'on a prise en compte, par contre, dans l'ancien plan, ça n'existait pas. Donc, ça a été intégré dans le plan communal de développement. Through the AFD program, ACF also advocates for nutrition through influencing policies and holding governments accountable to their commitments. The program agreement, funded by the French Development Agency, is an example of the type of long-term funding that is essential to fighting effectively against undernutrition. This funding has allowed the implementation of a multi-sectoral and multi-annual approach which can have a sustainable, long-lasting impact on undernutrition.